À Amiens, tous les dimanches matins, comme n'importe quel bon catholique pratiquant, Pascal Théry part à la messe. Sauf que ce fidèle ne se rend pas à l'église. L'église, c'est lui qui la porte. Qu'est-ce que vous avez dans cette roman que vous pouvez montrer? Ben, si vous voulez, c'est un petit peu notre église en kit du dimanche matin, parce que malheureusement, comme vous le verrez ensuite, nous sommes dans la rue pour des célébrations dans la rue. Ici, c'est ce qui servira à monter l'autel. Et ici, une tente qui va couvrir l'autel pour avoir un lieu digne quand même. Et vous verrez, nous sommes pas si mal installés. C'est quand même la Sainte Messe, il faut la célébrer dignement. On y va. Une messe en plein air, cela n'a rien d'exceptionnel. Sauf que son petit groupe communie ainsi toutes les semaines, et cela fait des mois que ça dure. Voilà, maintenant c'est l'installation. Il ne faudra qu'une heure à Pascal Théry et aux autres volontaires pour monter leur église en kit. Des chaises de jardin pour l'assistance, des fleurs et un beau crucifix pour l'autel. Ça se passe bien l'installation ? Oui, oh bah oui, dans la bonne humeur. Pour le bon Dieu, qu'est-ce qu'on ferait pas? Voilà, mais comme j'ai beaucoup d'enfants, ça va. Il y a la main-d'œuvre. Le tout sur le parvis d'une église qui, elle, restera vide, porte close. Pourquoi vous vous mettez à l'extérieur alors qu'il y a une église juste derrière? C'est une très bonne question. On se la pose aussi depuis longtemps. Nous avons demandé, fait plusieurs démarches auprès de l'évêque pour lui dire « Écoutez, nous sommes dans le besoin, provisoirement, prêtez-nous un lieu de culte » comme il a pu le faire pour d'autres confessions orthodoxes ou protestantes. Il n'a pas de problème vis-à-vis d'eux. Et vis-à-vis de nous, ça a toujours été non. L'église leur est interdite car Pascal et ses amis sont considérés comme des catholiques dissidents. Leur messe ressemble à celle d'il y a 50 ans. Le prêtre officie en latin, et contrairement au rite d'aujourd'hui, il tourne le dos aux fidèles plutôt qu'à la croix. Eux prient à genoux, comme autrefois. Ils se considèrent comme des traditionalistes, mais depuis près de 40 ans, l'opinion publique les connaît sous l'appellation d'intégristes. À la fin des années 60, un certain Monseigneur Lefebvre et une poignée de fidèles décident de tourner le dos au pape. Alors que l'Église fait sa révolution avec le Concile Vatican II, qui prône la messe en français et le dialogue avec les autres religions, eux refusent et créent un groupe à part, la Fraternité Saint-Pie-X. Avec ses propres écoles, ses lieux de culte où on célèbre la messe à l'ancienne. Leur fief parisien, Saint-Nicolas-du-Chardonnay, est occupé illégalement, squatté depuis 1977. Ils y ont parfois célébré des offices très polémiques, comme les obsèques du milicien de la Seconde Guerre mondiale, Paul Touvier, condamné pour crime contre l'humanité. En 1988, Jean-Paul II avait excommunié 5 de leurs dignitaires, et pendant 20 ans, le mouvement est resté au banc de l'Église. Il n'empêche, aujourd'hui, il serait 100 000 fidèles, rien qu'en France. Et depuis l'arrivée de Benoît XVI, ces adeptes d'un catholicisme pur et dur connaissent un nouvel élan. Versailles, en région parisienne. Toi, t'es prête ? Bon, alors ça va. Alors, à table. Dans ce grand appartement vivent Bénédicte et Hervé, des fidèles de la fraternité Saint-Pie-X, comme l'étaient leurs parents. Madame, 40 ans, et monsieur, 42 ans, sont mariés depuis 19 ans. On ne voit pas tout de suite ce qui les distingue des autres catholiques. Ils élèvent leurs nombreux enfants dans le respect de valeurs strictes. Jupe et école Claudine pour les filles, c'est le week-end de Pâques. Et dans moins d'une heure, tout le monde part à une grande veillée de prière. Tu mets une chemisette, manche courte. Bon, il faudrait s'activer. Hein. Flavie, tu vas vite prendre ta douche tout de suite. Veston pour les garçons. Les enfants sont sur leur 31. J'évite la chambre, ramasser le linge sale et tout, et venir à table. Les garçons ! Tout de suite !
On doit être à 8h30, il faut partir à 8h10. Donc il faudrait s'activer. Comme on n'a pas de serviette, c'est la serviette de comme ça. Bon voilà, on est une famille de 10 enfants, 11 enfants, 11 enfants. Mais voilà, voilà le début d'un repas quand tu ce que l'on préparait et procurait du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cyprien, tu vas aller couper du pain, s'il te plaît. Hervé est consultant dans l'industrie, Bénédicte femme au foyer. Chez eux, le reste des présentations prend un petit peu de temps. Tristan, qui est en terminale. Cyprien, qui est numéro 5. Anne-Camille, voilà, qui a dit 11 ans. Anne-Isaure, à côté. Com, qui a 7 ans, qui aime beaucoup être enfant de cœur. Flavie Domiti, qui a quel âge déjà ? 4 ans. Et qui va dormir, j'espère, pendant la messe. Après, Foucault, qui a 2 ans et demi. Et Vendry, qui a 7 jours aujourd'hui, qui est baptisé demain. Voilà. Qui est dans les bras de sa grande sœur, Marianne, qui a 15 ans et 14 ans et demi. Et alors Alban, voilà, qui est arrivé après. Qui veut bien de la paella. Qui veut bien de la paella. Et c'est une famille de 11 enfants, ouais. Je sais pas si c'est nombreux. Mais... Tous les enfants étudient dans des écoles privées hors contrat, qui dépendent de la Fraternité Saint-Pidis et non de l'éducation nationale. Ce soir-là, le repas est expédié en 30 minutes, car il n'est pas question d'arriver en retard à l'église. Ici, la religion impose son rythme. Ce qui les distingue surtout des autres catholiques, c'est qu'ils pensent que toutes les autres religions sont dans l'erreur. La religion catholique est la seule religion qui a été révélée par Dieu lui-même. Elle est donc en quelque sorte dépositaire de la vérité exprimée par Dieu. Et il nous paraît donc naturel, c'est même un devoir de transmettre à notre tour ce que nous avons reçu de nos parents. Direction le centre de Paris. Saint-Nicolas du Chardonnay, la fameuse église occupée depuis 30 ans par les traditionalistes. Les garçons de la famille sont tous enfants de cœur. Petite soutane rouge et dentelle, plutôt vieille école, pas question de s'habiller autrement. Tu l'as déjà faite cette procession ? Oui, depuis des années. Ça va commencer sur le parvis là-bas. Pardon. On va tous y aller direct. La veillée de Pâques commence sur le parvis par des prières en latin autour d'un feu. Ce soir-là, plusieurs centaines de fidèles y assistent. Ils ne représentent qu'une infime partie des traditionalistes, car derrière Saint-Nicolas du Chardonnay, il y a en fait un mouvement international. À une heure de route du lac Léman, au cœur des Alpes suisses. Un lieu de recueillement où même les ondes des lignes à haute tension ne semblent pas perturber la communication avec le ciel. Le séminaire d'Écône. C'est ici que la Fraternité Saint-Pidis est née en 1970. Depuis cette date, elle y forme ses prêtres à l'ancienne. Sébastien Gabard a 24 ans. Pour lui et les autres séminaristes, chaque journée débute à l'aube. Et toujours de la même façon. Chaque matin, nous avons 20 minutes. 20 minutes à peu près de d'oraison mentale intérieure, personnelle avec le bon Dieu, devant le Saint-Sacrement. Ils sont 56, de 19 à 50 ans. Principalement français, mais aussi italien, suédois ou gabonais. Ils portent la soutane dès la première année, comme dans l'église d'autrefois. Sébastien et son confrère Baudouin de Lassus, 25 ans, ont été désignés pour nous servir de guide. Ils font partie de la même promotion, mais se vouvoient comme tous les séminaristes à Écône. Pour eux, pas de télévision, d'ordinateur, de radio ni de téléphone portable. Notre tournage est l'occasion de se distraire un peu. Ah,
ça, c'est la récré, c'est sympathique. Ouais. Et alors que les autres sont en cours de morale. La visite commence par un lieu hautement symbolique. Alors vous entrez ici dans ce qu'on appelle le caveau. Pour nous, ce lieu, c'est l'endroit où est le corps de notre fondateur. Donc c'est un endroit où on vient se recueillir presque tous les soirs pour beaucoup d'entre nous. Leur fondateur, Monseigneur Lefebvre. Alors vous avez la tombe de Monseigneur Lefebvre qui est ici. Marcel Lefebvre, le dissident, le chef de file des intégristes. À la fin des années 60, c'est lui qui crée la fraternité Saint-Pie-X. Il va jusqu'à désobéir au pape. En 1988, à Écône, sous une tente spécialement aménagée et devant les caméras, il sacre 4 évêques. Jean-Paul II le lui a pourtant interdit. Monseigneur Lefebvre a prévenu ses ouailles. Vous serez persécuté, dit-il, mais vous avez le devoir de désobéir. Pour cette désobéissance, Marcel Lefebvre et ses évêques seront excommuniés. L'année suivante, en 1989, Monseigneur se distingue à nouveau lors d'une conférence de presse. Il y évoque l'islam dans un discours qui n'a plus grand-chose de religieux. Nous allons vers des catastrophes avec l'islam. Ce ne sont pas nous, peut-être, les prêtres et les religieux qui vont souffrir les premiers. Ce sont les laïcs. Ce sont vos femmes. Ce sont vos filles. Ce sont vos enfants qui seront kidnappés, emprunts, mis dans des quartiers, les fameux quartiers réservés, comme il y en a à Casablanca, à Meknès et partout ailleurs. Et vous n'oserez plus aller les rechercher. Des propos qui s'apparentent à un discours d'extrême droite. 18 ans après sa mort, à Écône, les séminaristes éprouvent encore une étonnante piété filiale pour lui. Alors nous arrivons ici dans la chambre de Monseigneur Lefebvre. Il lui voue même un culte. Qui est resté telle qu'elle était le jour du décès de Monseigneur Lefebvre, donc le 25 mars 1991. On a ici sa montre qui était restée telle quelle le jour de son décès, sa croix pectorale qui portait donc sur ses vêtements. D'ailleurs, vivre à Écône, c'est un peu comme faire un voyage dans le temps. Rien n'a changé depuis 40 ans, à commencer par les cours. 6 ans d'études, latin, théologie comme dans les autres séminaires, mais selon un programme et une méthode abandonnée par l'Église à la fin des années 60. Alors, comme c'est une bonté d'une créature, ce matin-là, l'abbé de Jorna, le supérieur d'Écône, leur parle de métaphysique. Les frivoles, pour saint Thomas, c'est ceux qui manquent un tout petit peu d'intelligence. La frivolité de l'esprit, c'est justement un manque de profondeur. Les journées sont rythmées à la seconde près par ces sonneries. D'arguments frivoles. Elles indiquent un changement d'activité et à chaque fois, il faut prier. La discipline est stricte et les séminaristes sont invités à écouter sans débattre. Ce qu'on appelle un enseignement magistral, le professeur donne son cours et puis les étudiants suivent le cours, posent des questions éventuellement après ou pendant, c'est variable. Alors que l'enseignement moderne va davantage être de dialogue, de discussion, de compréhension d'un auteur, mais ça ne va plus être une adhésion à une réalité. C'est complètement différent. Écône vit principalement des dons. Mais contrairement aux autres séminaires, ici, les élèves paient une participation. 360 euros par mois, cela inclut l'hébergement et la nourriture. Il va être amené à Benedice. 12h30, l'heure du déjeuner. Pendant 20 minutes, ils n'ont pas le droit de parler, mais on leur fait la lecture. Chapitre 5, suite. La dynamique de Vatican II. La logique de Vatican II. Ce jour-là, il s'agit d'une critique de l'Église d'aujourd'hui. Un message qu'on ne se lasse pas de leur répéter. Cette logique, ce dynamisme, toutes les subversions que nous voyons,
Mais à 13h, on leur autorise un moment de relâchement, une heure de récréation. Chaque équipe a un nom, alors là c'est Messire Diacre contre les vainqueurs de Gergovie. Ah ça c'est bien ça. Cette année, 8 d'entre eux seront ordonnés prêtres, mais ils ne seront toujours pas reconnus par le Vatican. Ils officieront dans les lieux de culte de la fraternité Saint-Pie-X. Ce qui distingue les traditionalistes des autres catholiques dans leur pratique, c'est aussi l'omniprésence de la lutte contre le démon, la tentation. À Paris, devant l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, on retrouve Bénédicte, Hervé et leurs 11 enfants. Col Claudine et Veston, mais cette fois c'est pour le baptême du petit dernier, Vendrille. L'enfant qui n'est pas baptisé est un peu sous l'influence du démon puisqu'il est marqué du péché originel. Le péché originel qui est le péché de la nature humaine. Sort de cet enfant, esprit impur, et cède la place à l'Esprit Saint. Chez les traditionalistes, le prêtre commence par cette cérémonie d'exorcisme, abandonnée par l'église d'aujourd'hui. Vendrille, voulez-vous être baptisé ? Oui, je le veux. Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. La vie du chrétien sera un combat contre les tentations du démon, contre nos propres faiblesses. Vendrille n'a que 7 jours, mais à chaque naissance, le baptême est une priorité pour Bénédicte. Je suis beaucoup moins stressée. Non, mais je me dis, s'il lui arrive quoi que ce soit, voilà, il va au ciel directement, et c'est un petit saint. Ouais. C'est toujours encore mieux consacré à la Sainte Vierge. Sainte Vierge Marie, vous que nous invoquons comme notre mère, qui avez présenté votre divin Fils au Temple. Le péché, la tentation, le bien, le mal. Dans l'éducation de leurs enfants, ils évoquent ces notions au quotidien. À ça, on relie aussi la notion de paradis, d'enfer, qu'on peut mourir à n'importe quelle heure, voilà, un accident, se renverser. Et on leur dit quelquefois, si jamais cette nuit vous mourrez, est-ce que vous êtes capable de vous présenter devant le bon Dieu en ayant une âme toute propre, pas sur la conscience de péché grave? Combien sommes-nous? On est... Tout le monde? Papa, maman, Alban, Tristan, Edouard, Maria, Cyprien, Anne-Camille, Anne-Lisa. On est 11. Comme la plupart des catholiques fervents de l'Église moderne, ils sont contre l'euthanasie, le mariage homosexuel ou l'avortement. Mais eux vivent ces valeurs comme un combat contre une société qu'ils jugent en perdition. Un combat dont Foucault, leur fils de 2 ans et demi, trisomique, est l'incarnation. Vous auriez pu envisager l'hypothèse d'un avortement ? Ah non, c'était absolument pas envisageable. Non, parce que pour nous, la vie est sacrée, qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un dans la rue, mais on n'a pas non plus le droit de le tuer dans le ventre de sa maman. Mais malgré les charges que l'on a représentées et l'accompagnement de sa vie, voilà, il est venu, il est comme ça, on le prend comme il est, et puis c'est tout. Hein ? Toi, t'es content ? Il le sait très bien, en plus, ouais, il sait très bien. Le drame de la vie moderne, c'est qu'on a banalisé cette facilité de l'avortement, qui est pour moi un signe de d'échéance d'une civilisation. En bonne place dans leur salon, le portrait de Monseigneur Lefebvre, selon eux, le garant d'une religion pure face aux dérives du modernisme. L'Église a été instaurée par Dieu pour maintenir une voie permettant aux catholiques de rejoindre Dieu après leur mort. Et c'est une voie qui malheureusement n'est pas conciliable avec l'esprit du monde, au sens où on entend que l'esprit du monde c'est l'esprit de la facilité, de l'obéissance à ses passions, alors que la voie de la religion c'est la voie du sacrifice et la voie de l'abnégation pour rejoindre Dieu. Alors qu'il n'avait jamais affiché de photos de Jean-Paul II, désormais celle de Benoît XVI a trouvé sa place. Un pape pour lequel ils éprouvent une grande reconnaissance.
Il faut dire que depuis son élection, il y a 4 ans, Benoît XVI leur a envoyé des signes favorables. Il a de nouveau autorisé la messe en latin. Et en janvier dernier, il a surtout pris une mesure hautement symbolique. La levée des excommunications de Mgr Lefebvre et de ses 4 évêques dissidents, sacrés à Écône en 1988. Sauf que Benoît XVI n'avait pas prévu que l'un d'entre eux, le Britannique Mgr Williamson, allait déclencher un scandale retentissant. Car 3 jours avant la levée de la sanction, voilà le genre de propos que l'homme tenait à la télévision. Les révisionnistes, comme on les appelle, je pense que les plus sérieux concluent que 200 000 à 300 000 juifs sont morts dans les camps de concentration nazis. Mais pas un seul dans une chambre à gaz. Je crois qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz. Des propos qui nient les 6 millions de morts de la Shoah. Une controverse planétaire qui ne semble pas troubler notre famille. Eux reconnaissent l'existence des chambres à gaz. Mais ce n'est pas leur évêque qu'ils condamnent le plus fermement. Enlève ton coude de la table d'abord, tiens-toi bien. Je ne vais pas écouter l'interview, mais ça ne m'intéresse pas. Le Mgr Williamson a fait des déclarations qui n'ont rien à voir avec son rôle d'évêque. Et l'amalgame qui a été fait, c'est que justement on a profité de sa position d'évêque pour faire un amalgame et diriger l'animosité contre l'Église. Ce qui est regrettable dans cette histoire, encore plus que ces paroles, c'est la récupération et le bruit qui a été fait autour. D'ailleurs, selon la Fraternité Saint-Pie-X, les déclarations de Mgr Williamson n'auraient pas fait fuir les fidèles. Cette année, peut-être plus encore que les précédentes, ceux qu'on appelle les intégristes restent soudés. Chartres, le point de départ de leur grand pèlerinage de Pentecôte. Alors que ce week-end-là, d'autres groupes de catholiques marchent de Paris jusqu'ici. Eux font le chemin inverse. Il est 7h du matin. 4000 personnes s'apprêtent à prendre le départ. Ils viennent de toute la France et de l'étranger. Avancez plus vite entre les deux escaliers, s'il vous plaît. Et ils ont des supporters. Ça me donne envie. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Ça veut dire que la foi, ça ne vous permet pas de marcher 3 jours encore? Ça ne suffit pas à marcher? Non, parce que la foi, c'est une chose, mais les jambes, c'en est une autre, et puis l'âge. Hein. Marie-Hermine, la fille aînée de Bénédicte et Hervé, défilera avec les guides, son groupe scout. Elle prend ce pèlerinage très au sérieux. Là, avec les guides, c'est pas une ambiance de corps comme ça, c'est une ambiance beaucoup mieux, enfin beaucoup plus catholique et beaucoup plus spirituelle que la famille ou que les copines. Voilà, on est parti. La mèche. Ils vont marcher pendant 3 jours au son des chants religieux. Comment ça se passe? Très très bien. Vous n'êtes pas encore fatigué? Pas du tout. Et d'autres airs parfois bien moins chrétiens. Foucault, Vendrille, Hervé et Bénédicte font aussi le pèlerinage, mais pas en marchant. Ils assurent la logistique, la voiture balai. Le pèlerinage, c'est un peu rodé quand même. Depuis 1983, on fait le pèlerinage. On a toujours fait le pèlerinage avec un tout petit bébé ou enceinte. Tous leurs enfants participent. Les plus grands, parmi les scouts marins, un groupe créé au sein du mouvement intégriste, implanté à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Ils cultivent une allure martiale et une discipline stricte. Alban, le fils aîné, assure l'encadrement. À 18 ans, comme tous ses frères et sœurs, il est très impliqué dans la vie de sa communauté. Vous êtes tous motivés ? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui vous motive ? Là, tout de suite, la halte à 8 heures. La halte à 8 heures. Non, mais là, on chante beaucoup pour entraîner les petits et on va y arriver. Si la piquette est bonne, amis, buvons un coup, car le jus de la treille égaye nos amours. Après une journée de marche, le bivouac s'organise. Des centaines de pèlerins vont dormir sous la tente.
On retrouve Cyprien, un des fils d'Hervé et Bénédicte. À 13 ans, il est très fier d'appartenir au scout marin. C'est une organisation qui est faite pour apprendre à mieux servir Dieu et son prochain. Voilà, c'est le principe du scout. Et ça te rend fier ? Bah oui, plutôt oui, parce que c'est un honneur d'être scout. Dans sa famille, aucun des enfants ne conteste l'éducation catholique pure et dure qu'il a reçue. On ne renie pas notre jeunesse parce qu'on est catholique traditionnaliste. Hein. Donc c'est sûr, ça n'empêche pas d'avoir des amis, de faire la fête et tout. Et par exemple, vous pourriez tomber amoureux d'une jeune fille qui est ni pratiquante ni catholique. Oui, enfin, tu sais, amoureux, ça ne se décide pas. Hein, donc, ça pourrait bloquer ensuite, je ne sais pas, un mariage, c'est possible, oui. Envisageable. Ou c'est compliqué du coup ? C'est compliqué. Ouais. C'est plus compliqué aussi. Non, c'est plus compliqué, mais bon, là, à 18 ans, j'y pense pas trop encore. Pour l'apparition la plus attendue du pèlerinage, il leur faudra patienter jusqu'au lendemain. Hop là. On va aller bénir les enfants allemands parce que... On l'acclame comme une vedette. bougez pas, on va passer comme ça. Les enfants se bousculent pour s'agenouiller à ses pieds et baiser son anneau épiscopal en signe de respect. J'arriverai pas à faire le tour de tout le monde. Hein. Monseigneur Felet est le supérieur de la Fraternité Saint-Pie-X, le successeur de Marcel Lefebvre. Pour les paroles négationnistes de Monseigneur Williamson, il s'est excusé et il a sanctionné l'évêque britannique qui n'a plus aucun rôle officiel. Mais semble-t-il, il n'a toujours pas très bien compris l'ampleur de la polémique. Amen. C'était tellement marginal, tellement excentrique. Au début, je n'ai pas du tout même réalisé l'impact, si vous voulez. Je considère encore comme une de ses excentricités. On considère un petit peu toujours les Anglais comme un peu originaux. C'est-à-dire, c'est sans méchanceté pour les Anglais, mais on considère un peu comme ça. Et je dis, bon, ben voilà, c'est une originalité. Si on peut dire anglaise, et puis je suis pas allé plus loin. Au son des cantiques, après 3 jours de marche, le cortège gagne enfin Paris. Plus que quelques kilomètres avant l'arrivée aux Invalides. Faute d'église, une fois encore, ils célèbrent leur grande messe annuelle en plein air. Et si pendant 14 ans, ils ont prié au pied du Sacré-Cœur à Montmartre, cette année, la mairie de Paris le leur a interdit, à cause de la polémique Williamson. Mais les fidèles, comme notre famille, sont venus plus nombreux que l'an dernier, pour entendre un sermon particulièrement virulent. Depuis la Renaissance païenne, en passant par le protestantisme, la révolution dite française, le libéralisme, nous avons ce monde nouveau, à l'image de l'homme déchu, avec des lois qui vont contre la loi divine, qui détruisent la famille, comme le divorce ou l'avortement. Ces lois qui déforment les esprits, comme l'école soi-disant neutre. Ces erreurs pernicieuses ont été répandues dans le monde et sont la cause de la déchristianisation complète des peuples et de la ruine des hommes et des sociétés. Bénédicte, Hervé et leurs 11 enfants sont repartis galvanisés par ce discours qui les renforce dans leurs convictions. Début juin, le dialogue a repris entre leurs dirigeants et Benoît XVI. Le Vatican voudrait bien réintégrer au sein de l'Église ces fervents chrétiens qui n'ont pas peur d'afficher la foi la plus rigoureuse.